Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CEMA TV, sur Cogeco Câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Profil et en direct sur la page Facebook de cematv.ca. Vers 20h15, jeudi 13 décembre, l'alarme générale a été déclenchée suite à un début d'incendie dans un logement situé au 14 avenue Couture, Montmagny. Les pompiers de Montmagny et de Cap-Saint-Ignace se sont rendus rapidement sur les lieux puisqu'énormément de fumée s'échappait du logement. Les policiers de la Sûreté du Québec sont venus prêter main-forte aux pompiers en quadrillant le secteur. Selon les premières informations récoltées par CEMA TV Nouvelles sur place, de la fumée s'échappait des murs de l'appartement, ce qui a poussé les occupants à appeler le 911 avant de se réfugier dans leur voiture. Les pompiers ont dû ouvrir les murs afin de trouver l'origine de la fumée. On ne dénombre cependant pas de blessés durant l'intervention. D'autres détails devraient nous parvenir sous peu. La commission scolaire de Côte-du-Sud, par l'entremise de sa page Facebook, a annoncé qu'en raison d'un problème d'aqueduc, l'école primaire Saint-Nicolas de Montmagny était fermée hier, jeudi 13 décembre. CEMA TV Nouvelles s'étant rendu sur les lieux, il apparaît que la cause de cette fermeture serait due à un refoulement d'égouts en raison d'un amas de papier de toilette coincé dans le tuyau. Les ouvriers ont creusé juste en avant du bâtiment afin de changer le tuyau en question. Les élèves de l'école doivent reprendre l'horaire habituel ce matin, vendredi 14 décembre. Aucun doute possible, un vent de fraîcheur souffle cette année sur l'animalerie Montmagny. En effet, en plus des travaux de réfection en cours pour refaire la devanture du magasin, voilà que le commerce vient de mettre en ligne, il y a quelques jours seulement, la toute nouvelle version de son site Internet. Notre site Web était de plus en plus consulté et nous avons donc décidé de lui donner un nouveau look. De plus, notre clientèle nous mentionnait qu'elle aimerait pouvoir acheter nos produits en ligne sur notre site, ce qu'elle pourra faire désormais, mentionne Louise Thibault, propriétaire de l'animalerie depuis maintenant près de 25 ans. En effet, une visite au animalerie-montmagny.com permet dorénavant à la clientèle de se procurer de l'équipement, des produits exclusifs ainsi que de la nourriture pour animaux. Pour connaître l'étendue des services, rien ne vaut une visite à l'animalerie Montmagny située au 20 boulevard Taché-Ouest. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le travail de ses entrepreneurs qui, par leurs actions et leur audace, dynamise le milieu d'affaires. Dans le contexte actuel, il devient important plus que jamais d'être présent sur la toile, là où sont les consommateurs. Au cours des derniers mois, la Société de développement économique de Montmagny a travaillé très fort pour inciter les commerçants à prendre le virage numérique, indique Isabelle Normand, directrice générale de l'organisme, ajoutant que la Société de développement économique de Montmagny est très heureuse de voir l'animalerie Montmagny s'ajouter aux autres commerçants ayant embrassé ce virage. On fait une courte pause. Le temps des fêtes, c'est le temps des rencontres familiales, des échanges de bons vœux pour la nouvelle année, un merveilleux moment pour des réjouissances autour du sapin. En cette période des fêtes, nos pensées se tournent vers vous, qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes de diffusion. Toute l'équipe de CEMA TV désire vous offrir ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité à vous et vos proches pour la nouvelle année. Joyeux Noël! L'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, accueille avec satisfaction l'entente sur la tarification des services de la Sûreté du Québec. L'augmentation maximale de 3,1 % prévue pour 2019 pour l'ensemble des municipalités desservies par la SQ répond à la demande formulée par l'Union au cours des dernières semaines. L'annonce a été faite jeudi à Québec par la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbeault, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforêt, en présence du président de l'UMQ et maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson. Je tiens à remercier les ministres Guilbeault et Laforêt pour leur écoute et leur collaboration afin de régler ce dossier pour l'année 2019. La formule retenue respecte, à court terme, la capacité de payer des contribuables, tout en instaurant un principe d'équité quant à la facture payée par les municipalités, a indiqué M. Cusson.
Au cours des dernières semaines, l'UMQ a mené des représentations actives auprès du gouvernement du Québec afin de s'entendre sur une formule de calcul acceptable qui limite la hausse des coûts pour l'ensemble des municipalités. La facture totale effective des services de la SQ pour les municipalités en 2019 sera ainsi de 323 600 000 $. Ce montant tient compte d'une aide financière ponctuelle de 33,1 millions de $ accordés par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le ministère de la Sécurité publique à la suite des interventions de l'UMQ. Sans cette aide, le taux d'augmentation moyenne des municipalités aura été près de 15 %. L'Union réitère par ailleurs sa demande au gouvernement du Québec de transmettre la facture annuelle aux municipalités desservies par la SQ préalablement à l'adoption des budgets municipaux plutôt qu'en décembre, afin qu'elles puissent le prévoir dans leur budget. L'entente annoncée aujourd'hui ne résout évidemment pas l'ensemble de la question du financement des responsabilités policières au Québec et au partage des coûts entre le gouvernement du Québec et les municipalités. L'UMQ a donc proposé au gouvernement du Québec d'entreprendre, en partenariat avec le milieu municipal, des réflexions à plus long terme en ce sens. Par respect pour l'ensemble des contribuables qui paient les coûts de plus en plus élevés des services policiers au Québec, il s'avère incontournable d'entreprendre collectivement une révision du cadre actuel. L'UMQ sera à pied d'œuvre au cours des prochains mois pour documenter le dossier et formuler des recommandations au gouvernement du Québec. Un comité de travail sur le financement des corps policiers municipaux, issu de la Commission de la sécurité publique de l'UMQ, est présidé par le maire de Thetford Mines, Marc-Alexandre Brousseau, sera mis sur pied dès janvier. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord, c'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Champerlon et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Tout d'abord, côté sport, dans la Ligue junior 3A, l'Everest rencontrera l'Inuk de Granby ce vendredi et dimanche, l'équipe recevra les Braves de Valleyfield. Dans la Ligue côte du Sud, ce vendredi, le pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli sera à La Pocatière, Sainte-Marie à Lotbinière et Trois-Pistoles sera à Montmagny. Ce dimanche, Saint-Damien sera à Saint-Pascal et Sainte-Marie à Saint-Charles. Dans la Ligue de hockey olympique, maintenant, dimanche, le Pétrole Montmagny affrontera le MDM Publicité. Du côté des canotiers, ils s'affronteront Sainte-Marie ce vendredi et dimanche, ils se mesureront à Disraeli à 14h à Saint-Jean-Port-Joli. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmtv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 380 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmtv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMTV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes.